Oui. Ça y est, on a notre baraque à frites. Bah, il est temps. J'ai rangé mon épée dans mon dans baraque à frites. Quoi? Sérieux? Bon, et le MJ, on... Hein, faut voir, hein, on a plus les MJ. On fait quoi? On fait nouvelle le MJ? Ouais, ouais, attendez, bah, je mettrai MJ, hein, bougez pas, attendez. Et tout d'un coup, évidemment, vous êtes dans une taverne, le sanglier qui pue, évidemment. Une magnifique chauve petite établissement très propre, n'est-ce pas? Hein, évidemment. Et là, il y a un tavernier bien accueillant, hein, qui vous sert de la bière. Ah, merci tavernier. En plus, c'est la Piawer. C'est la Piawer. Je vous dis que la grâce des ténèbres est avec vous. Et du coup, évidemment, à ce moment-là, il y a le mage qui met du pet, il se passe pour une femme pour avoir des consommatos. Okay. Toutes les mêmes, toutes les salopes. Je vais accepter vos vidéos. Si tu veux voir les gueules, oui, sinon non. À toi de voir. Ah, mais il y a un chauve. Oui, c'est déjà pris ce rôle-là. Quoi? Non, rien. Il est gentil avec moi, il va. Bah, disons que t'as un front qui, ouais, qui va finir par arriver derrière toi, t'as pas. Toi aussi, je t'emmerde. Bon, alors, on commence à sortir un petit peu ce gars-là. Hein. Oui, parce que ce serait bien de commencer un jour ou l'autre. Et du coup, tout, voilà, tout fout. Il n'y a pas moyen de cacher les putains de trucs qu'il y a sur le Roll20, là, ça m'intéresse pas de savoir. Mais... Moi non plus, j'aimerais bien savoir aussi. Je vois bien les trucs à la con là en bas là, ça m'intéresse pas ça. Avec tous les pseudos. Ouais, en plus du coup, ah, ça a remonté sur la... Ça a remonté sur la... Oh là là, mon dieu. Ouh. Calice, ton son. Bah, voilà. Alors... Normalement, c'est bon. Ah mais on peut mettre un jukebox dedans. Oui, on adore, on peut pas même cacher les pseudos, etc., les avatars, etc., dans le Roll20, parce que ça foutre en l'air tout, là. Ça n'a aucun intérêt, en plus. Chat avatar, c'est ça? Quoi? Oh, on peut scroller, waouh. T'as vu un peu? D'accord. Tu peux faire ça. Waouh, on peut scroller, waouh. Momo, c'est en train de découvrir. Ah, voilà, moi, je suis... Ok, oh. Je suis où j'étais. Tu es tout vert. Tout gris et tout petit. Ouais, non. Mais pourquoi la madame elle a pas de vêtements? Ah, ah tu vois, pas, ah, tu vois, on est pas les seuls. Bon. On va pouvoir peut-être commencer un jour. T'as trouvé moyen de cacher cette merde, toi? Non. Oui, tu fais... tu vas dans les réglages. Oula, et oula. Tu fais... Alors enable parce que moi j'en suis allé cacher enable chat avatar, non, sur les cas ça fait quoi, et tu fais chat avatar et tu mets juste les noms player vidéo avatar size, tu mets juste name only. MJ, tu me dis si tu trouves ça. Ah oui, t'as trouvé ou pas? Non, pas. Ah, name only, je trouvais. Parfait, ah, beaucoup mieux. Mais name only. Ah, voilà, désolé. On salue le bon JDR. Merci, bah t'arrives juste pour nous. Et salut, bonsoir, bonsoir. Merci à toi, du coup, on va essayer de s'en sortir, hein, je rappelle. Sachant du coup. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui nous connaissent pas évidemment, hein, voilà, donc il faut savoir évidemment que sur les 4 joueurs, merci beaucoup. Sur les 4 joueurs qui sont présents ce soir, qui sont Irsemo, Scorpio, Sergent, Mersimson Game, qui est un streamer également aussi, et moi-même, qui parle là-haut, hein. Moi là-haut. Hein, évidemment, sur l'équipe, il y en a deux qui n'ont jamais fait, c'est-à-dire évidemment Momos et moi-même, hein, et du coup deux qui ont déjà fait du jeu d'or. JDR, papier, le MJ du coup est Calice en haut à gauche de votre écran. Voilà, donc ça va être c'est une expérience. On sait pas du tout comment ça se passait, il y a des problèmes techniques dès le début. On va commencer, mais déjà les problèmes techniques, c'est peut-être des problèmes techniques. Voilà. Donc voilà, bienvenue à toi, on va essayer de faire quelque chose de correct, mais on promet strictement que rien. Hein, voilà. Ou le premier nom, le stream de la loose, après je dis ah ça. Ah mais oui, ça va être ça. Non, aventure de... Si j'ai la loose, je comprends plus mes clopes. Mais t'as voilà, pas besoin, Tac, bon, donc Momos nous a rejoint, ce qu'on avait pas remarqué, hein, mais Momos c'est là.
Il se fait discret là, il découvre. Oui, moi c'est là. Bonjour. Ah oui, mais je suis en train de, tu vois, de relire mes trucs. Attends, je vais te donner le droit pour déplacer ton perso. Maman. Alors, Wesket, c'est barré. Attends, faut pas donner ça, bien, et hop. Quoi? Faut pas donner parce qu'il va aller derrière la madame toute nue. Ah, c'est déjà bon courage avec les problèmes techniques. Alors, je laisse le feu. Je peins des figues Game Workshop. Très bon occupation. C'est comme Lux. Un Game Workshop, évidemment, c'est Warhammer. Warhammer, oui, entre autres. D'ailleurs, du coup, quelle armée tu peins et dans quel univers? Ça rappellera des bons souvenirs. Ça fait quelques années que j'ai arrêté ça, moi. Les Nécrons. Non, pas les Nécrons. Tu me parles plus jamais de Nécrons, toi. Plus jamais. Ni les Tau, ni les talapètes de Tau, je veux pas en parler. Et encore moins l'espèce marine du chaos. L'espèce marine du chaos, quand ils sont arrivés, l'espèce marine du chaos, alors là, c'était justement le chaos, ça. Ah, dans la V4. Bon. Commençons peut-être, non? Eh oui, après, moi j'ai ma clope, hein, j'ai ma bite et mon couteau. Je sais pas si t'en as besoin, mais bon. Du coup, Momos, est-ce que tu peux bouger ton token? Ton personnage. Ton perso. Bonjour, madame. Oui, pardon. T'es un F, t'as aucune virilité. Tais-toi. Par contre, Momos, tu m'intéresses. Baraka Ouais, va chercher la bière, vas-y. Bah alors, tu voulais dans les télés. T'as Mathusalem qui fait, c'est quoi cette troupe de Ramano? Bah, c'est mes joueurs. Allez, t'emmerdes. Allez, démarre, bordel. La la la. Ah, si, c'est bon. Du coup, c'est bon. Ah, le premier White Dwarf, évidemment, un petit magazine que j'ai revendu. J'avais le premier numéro de White Dwarf, que j'ai revendu une petite fortune. Ah. Ok, bah nous t'écoutons du coup, MJ, nous sommes tous là, hein, et on va essayer de faire au mieux, hein, donc voilà, c'est parti, donc du coup, nous sommes tous là. Du coup, est-ce que vous voulez résumer à peu près ce qui s'est passé à Momos, ou pas? Grosso modo, on a fait une petite sieste, et puis on est dans une taverne maintenant. Et on a soif. Et j'ai un poney. J'ai quoi sur moi, hein? Ok, j'ai pas de quoi bouffer. Asmerfot, oui, Asmeros, exact. Mais de toute façon, t'inquiète pas, c'est prévu les malus. Ça va arriver, t'inquiète pas, je t'en prends plein la gueule. T'as commence. Ah mais pas ça hier, hein, t'imagines pas, parce que là vous voyez les problèmes en direct, mais les problèmes, il y en a eu tout le long de l'histoire, voilà, de la mise en place de ce stream-là. Hein. C'est pour ça que ça fait 2 mois ou 3 mois ou 4 matchs, je compte même plus, hein, que ce stream est prévu. Là, on arrive dans le malheur et dans la souffrance à le faire ce soir. Mais voilà. Ça, on va revenir une anguille. Nous décomptons du coup, hein, du coup, si tu veux résumer à Momos, vas-y, hein, tu es la MJ. Mais bordel, on y va, mon dieu. Du coup, bah en fait, oui, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, allez. C'est quoi? Du coup, comme je leur ai dit, je leur ai posé un peu les bases de l'univers. Donc c'est du médiéval, voilà. Et puis je leur ai donné un peu comment ils faisaient, comment c'était dehors, et l'avancée un peu de comment ils sont arrivés dans la taverne, en fait. À ce moment-là. On s'est pas donc, aimé, si quoi. tu regarderas le replay. Hein. Et donc du coup, vous êtes dans la taverne, après de longs voyages, vous êtes dans la taverne. Et vous êtes posé avec Zacharia et Jasmine, qui est sa fille. Et le but, c'est d'aller chercher du tissu, si je me trompe pas, c'est d'aller chercher du tissu au marché annuel. Donc voilà. Vous êtes... En fait, c'est un peu cette taverne, c'est un peu une escale en quelque sorte. Oui, aller chercher 10... Okay. Aller tuer 10 poules et donner les laves au grand-père. C'est le bon jour de l'année au moins. Parce que c'est sûr que c'est une taverne et du coup moi je veux de la bière. On va chercher de la bière. Non, c'est un... Très bien, bah, on commence et du coup moi je vais chercher de la bière. Donc je me tourne et je vais voir le tavernier chercher de la bière parce que c'est important. Quelqu'un veut quoi, hein? Vas-y, Que tu peux... Un hydromel, s'il te plaît. Tu peux lever la main et tu peux commander. Ah non, moi je vais aller le voir, je vais me mettre devant lui. Ou une petite tisane plutôt. Alors, hola tavernier, je voudrais évidemment un tonneau de bière, hein, une hydronelle, une petite tisane, hein, et puis le magot, il veut quoi le magot? Ton âme. Ou l'hydromel, ça dépend. Ah non, alors, deux hydromels, une petite tisane de merde, et un tonneau de bière, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour les hydromels et pour la tisane, je peux. Par contre, le tonneau de bière faudra repasser, hein. Mais je peux vous donner une chope de bière bien conséquente.
Commence mal. C'est pas une donnée de dire ça. Ça commence mal ton aventure, hein. Donc ce qui se passe évidemment, c'est que je renverse son plateau. Énervé. Ça commence. Moi je me rapproche de lui. Ça le Et le mage. Allez, s'il commande un tonneau, on va pouvoir l'enfermer dedans demain. Vas-y. Il est pas assez grand. Il voit que tu renverses son plateau. On va peut-être en mettre deux. Il quand même, il te jette un regard noir. On fait regarder ce qu'il y a autour. Et il dépose, il ramasse son plateau, ses chopes de bière et tout ça. Il fait, allez vous asseoir, je vous apporte ça. Ah bah j'aurai mon tonneau. Ah putain, il est calme, hein, le mec, hein. Ah, il vient de remettre son plateau, oui. Bon bah vas-y, viens, hein. Il est calme avant la tempête, en fait. Mais m'en fous, j'ai ma bière. Ah, je vais y pisser dedans, tu vois. Ah non, les garçons, commencez pas. On est même blanc, ça donne un petit coup. On le fera pour toi. Du coup, bah, t'es retourné à la table, je suppose. Ouais. Ok. Donc, vous attendez bien 10 minutes, ouais. Le temps qu'ils servent les autres tables. Madame à poil, hein, qui s'arrange. Et donc, voilà, vous êtes dans une taverne à peu près. Donc, il y a pas mal de monde. Moi, justement, par rapport à ça, je préfère regarder les autres, clients pour savoir s'il n'y a pas des mouvements un peu suspects, comme il y a pas mal de monde et que ça arrive souvent des mondes armés. Rix. On va faire un tour de table. Du coup, on a eu AMG qui a fait son tour. Donc du coup, Michou, à toi, à voir. Tu fais quoi? Moi, je garde la main sous mon épée, prêt à dégainer au cas où, vu que j'ai vu ce que Rena a fait. Je me prépare un coup. Je suis fait respecter, c'est tout. Je garde bien ma main sur mon épée, prêt à dégainer au cas où. Ta bête. D'accord. Scorpio, tu fais quoi? Justement, je regarde les gens qui sont par là. Je sais pas, tu vas pas me faire piller. Qui sont en bas à gauche. Je vois, ils sont bien armés, ils ont bien des choses. Je me méfie. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un? Dans ce cas-là, je vais demander à Balor de... de Elias, pardon, j'arrive pas, je les confonds. Tu me confonds avec une pédale. Ta gueule, salope. Je vais demander à Elias de faire un jet de mental plus perception. Okay. Tu veux que je fasse sur lequel d'ailleurs? Waouh. Donc il faut que tu fasses 90 ou moins. Non mais comme tu nous avais dit que tu voulais mettre sur un autre truc, je sais pas si tu veux faire sur Roll20 sur l'autre. Comme non, sur l'autre t'as envoyé, vas-y. Sur l'autre. 90, tac tac tac, merde, 69. Lancé. 86, oh. C'est chaud. C'est limite. Ça va. Tu commences bien, donc tu vois du côté de ceux qui sont bien armés. Ouais. Donc par là que ils sont en train de parler de se montrer les armes, en fait, de genre ouais voilà cette arme elle a fait ça, ils sont en train de chuchoter. Metteur, quoi. Il faut lui kikimetteur quoi. C'est moi qui ai les plus grosses. Ouais mais non, ils sont en train de parler de leurs exploits de guerre. Elle est en train de. En fait ils sont un peu en train aussi de marchander. Parce que la nana que tu peux voir là, elle est en train aussi, de faire du marchandage en fait. Donc Lui vendre une arme. C'est ça. Il faut du marchandage, j'explique. Ok. Moi je regarde tout, on sait jamais. Mais rien de menaçant pour nous. Non, ils sont en train de discuter, tu sais, ils sont pas. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant et pas menaçant. Enfin, ils ont pas. Ils n'ont pas une aura menaçante comme tu pourrais l'imaginer, comme tu t'es fait à l'idée. Voilà. D'accord. Et Momos. Un baraque à frites. Alors lui, il a une faculté qu'il est nyctalope, il va regarder du côté de la table de la femme nue ce qui se passe. C'est toi la salope. Je savais bien que t'es une salope. Ouais, non là. Ah, ça veut pas dire ça, nyctalope, pardon. Déjà la femme est pas nue, d'accord. Ouais, pardon. Elle n'est pas nue, elle a une plaque de métal sur les seins, je suis désolé. Donc c'est une maid. Oui, elle a des caches tétons. Oui, enfin, je regarde du côté de cette table-là, voir ce qui se passe. Il m'a de son cul. Tu vas faire pareil, tu vas me faire un jet de mental plus
Je vais voir si je te mets un bonus, soit si je te mets un mental pur. Alors je fais un GM roll ou un roll classique? Mental plus discrétion, tu me mets. What? Ça lui fait combien? Tu fais combien? Je suis en mental, toi. Alors, en mental, j'ai 70%. Mmh. C'est ça. Discrétion. Et discrétion plus 10. Voilà. Voilà. Tu rajoutes les deux. C'est 90. Non, c'est 80. 80, oui. Oui, pardon. 10, 80. Et du coup, je fais un roll 100. Non. C'est ça. Un donc 10. Un des 100. Oui, c'est un des 100 et tu dois faire inférieur ou égal à 80. Putain, 79. On commence très très bien les jets de DM. Ah, les jets à la limite, quoi. C'est ça. Donc, bah, du coup, tu pareil, tu vois que t'as une nana et... Il est légèrement déconcentré par la femme finement vêtue. C'est pour ça qu'il rate un peu. Ou les autres, on s'en fout. Hein. Bah, elle écrit la commande, tu vois qu'elle écrit la commande des deux clients qui sont là. Voilà, du coup... Rien de menaçant non plus. Son boule te menace. Et puis... Non, oui. On arrive, ils sont tous, ils veulent plus de trop beau, je le sais. C'est parano. J'avais fait un échec, en fait, mais il a pas fait d'échec, donc voilà. Du coup, quand vous avez fait de Sam, vous avez le tavernier, l'aubergiste, qui vous apporte vos boissons. Mon tonneau. Voilà... Voilà la bière, voilà la tisane et voilà les cidromiels. Merci Tavernier. Voilà. Ça fera 5 PO. C'est le nain qui paye. Ouais. Même pas en rêve, bande de tarleuses, je paye pas. C'est toi qui as l'argent, je te ferai dire. C'est mon pognon, c'est même PO. Vous avez une petite bourse de 100 pièces chacun en fait. Oui mais c'est lui qui paye 100 pièces. Ouais, à peu près, ouais. Ça dépend ce que vous avez fait sur le voyage avec, mais vous avez une bourse, là une petite bourse de 100 pièces. Et bah du coup, je lui propose 2 PO. 5, c'est beaucoup trop cher. En plus, je suis sûr qu'il a pissé dans la bière. 3. 3. 2 et demi. 3. 2 et demi ou je te casse une jambe. Calme-toi. 3. Bon, je suis filé une pièce en plus. Voilà. Donc du coup, il repart avec ses 3 pièces. Donc c'est évidemment, vous avez des pièces en or. Donc voilà. Donc entre-temps, la nuit est tout à fait tombée et la taverne s'est remplie de clients. Il y a de bruyants buveurs, donc ils sont venus de du village, mais c'est aussi des voyageurs mieux vêtus, désireux de franchir le col ou qui reviennent d'Albar. Donc vous buvez votre bière. Non, et vous apportez tisane. Avec votre bière, votre hydromiel ou votre tisane. Là, votre. J'ai la vienne aussi, t'inquiète. ils vous ont apporté un fricot savoureux. Et donc, vous passez la soirée à boire, à boire, à boire, à boire. Du rhum d'être femme et de la bière, nom de Dieu. Vous savez, votre compère, Zacharias, enfin Carolus, qui vous explique la suite du voyage. Donc il revient vers vous voir. Et il vous explique la suite du voyage. Donc il y a Jasmine qui revient. Donc il se passe devant vous et vous explique un peu la suite de ce qui va se passer. Eh ben on l'écoute. Voilà. Donc il y a Jasmine qui semble assez fatiguée et elle contemple la salle avec ennui. Donc elle écoute un peu son père parler. Et puis au bout d'un moment, elle soupire et elle repart de son côté à elle. Donc okay, tant, elle s'ennuie un peu, donc en fait c'est pas un endroit trop pour elle. Voilà, il vous parle. Et vous entendez de temps en temps qu'il y a des gros fous rires ou voilà, il y a des tablés qui sont là, il y en a qui saluent la serveuse, il y en a qui sifflent et tout auprès des serveuses. Mais les autres ne sont pas tous joyeux. Plusieurs boivent sans entrain en marmonnant à mi-voix. Pourtant, on parle haut aux tables voisines. Machinalement, vous écoutez et vous saisissez les brides de phrases. C'est le pire qui pouvait arriver. Ne parle pas si fort, compère. Je ne peux imaginer que lui
le duché de Koch attaque en fin de compte le comte puissant comte voisin. Vous continuez à écouter. Si je pouvais, ce tyran, j'en ferais. Il a, paraît-il, fait prendre après Fauchard trois prétendus espions. Ne me dis pas de notre seigneur, il est... Le comte Baldur est déjà en guerre avec deux de ses voisins. Pourtant, plus très normal, sa rapacité nous voudra tous. Ces déclarations des villageois vous intriguent. Vous avez déjà surpris un chemin, même propos concernant le comte Baldur. Et en plus, vous vous approchiez de Rouchetaille. Plus les propos s'envenimaient, il semble passer pour un ambitieux forcené qui a hérité de son oncle, l'ancien châtelain de Rochetaille, la souveraineté sur toute la province qui ne rêve que d'étendre son emprise. On murmure qu'il a contre les nobles du duché de Koch. Mais qu'importe, ce sont là les problèmes des habitants du lieu. Peu ou chaud, demain matin, vous serez loin. Vous ne casserez pas la tête. Demandez plutôt à Jeannette une tournée de vin. Donc Jeannette, c'est une des serveuses qui est derrière le bar. 2 heures plus tard, juste au moment où vous allez lever de table et accompagné d'un capitaine, 2 heures plus tard, au moment où vous allez lever de la table et gagner vos chambres pour aller dormir, parce qu'il est quand même bien minuit et demi, soudain, la porte s'ouvre à grand fracas et un gentilhomme à la mine sinistre entre accompagné d'un capitaine et de la garde équipé d'une cotte de maille et d'une épée. Donc, ça arrive. Vous allez tous me faire un jet d'observation, de perception. Donc ça sera mental plus perception pour ceux qui l'ont. Concentration, ça peut pas prendre en compte. Non, mais Rina Cidre, tu peux utiliser perception affine. Putain, j'ai 25. Elias, tu peux utiliser perception. Baratofrit, tu fais 5. Mental pour. Mais j'ai perception aussi. 13. J'ai 10 en perception. Ah, si, exact. Bah, tu utilises perception et bah alors tu fais que mental toi. Super. Succès pour moi, 39. Moi c'est 13. Okay. Si, je suis combien déjà? Je suis 71, 25. C'est bon pour moi aussi. GG. Alors attention. Ouais, faut que je fasse en dessous de 80, hein, comme tout à l'heure. 88, et oui, c'est oui. Un gros échec. Oh là là, c'est plus critique ça. Non, c'est 88, oui, je suis un gros échec là, je suis à 25. Je propose qu'on l'abandonne. Depuis le début, je l'ai dit d'abandonner. Mais j'y peux rien, d'accord. Je sais que t'as fait. Du coup, bah alors, tu vas m'enlever ton casque. Ah. Tu vas me sortir ton casque, tu vas m'être muet. Et je vais donner une info aux autres. Ça y est, il l'a enlevé son casque, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, vous pouvez apercevoir à l'entrée que vous avez un jeune homme donc bien habillé et accompagné de gardes. Qui sont bien, enfin qui sont bien habillés, ils sont bien vêtus, c'est des nobles. Des gardes impériaux quoi. C'est des labs. Impériaux non, mais j'irai pas jusque là, mais ouais, ils sont d'une, enfin c'est bien des gardes. Gardes de la ville quoi, c'est des gardes du palais, ça c'est. Voilà, c'est des gardes du palais, c'est pas des gardes de la ville non, mais c'est des gardes du palais. Balor, tu pourrais mettre ton casque. CRSSS. C'est bon, il a mis. Voilà. Hop là. Qui c'est bon qui vient de taper? Pour l'instant personne, bon. Mais ça m'en dit, ça va être pour nous. Vous voyez les... Tu vois les personnages qui sont rentrés? Personnages qui sont rentrés. Ah oui. En bas, oui. En bas du truc. Ouais. Et bah oui, t'ont vu aussi. Donc vous avez Zacharias, donc l'aubergiste. Qui se prosterne humblement devant un gentilhomme à la moustache tombante. La plupart des assistants sursautent et se mettent à terre en s'écriant « Grotto, Garax, Grotto, Baldur, Comte Greyfax !» Puis il se relève, le gentilhomme promène en entour un regard ennuyé. Soudain, ses cieux s'assombrissent.
Et vous, grondent-ils ? Me salueriez-vous comme il se doit ? Donc il s'adresse à vous et il vous dit ça. Qui fait quoi ? Je suis un paladin, je m'agenouille pas devant les gens. Donc on va faire un tour de table. Ça c'est un paladin, voilà. AMG. Non. Alors, hop. Moi je prends l'initiative de parler à ce monsieur sans m'agenouiller. Moi d'abord. En me présentant comme le chef de ce groupe. Là. Tour de table, t'es dernier à ta table, toi. T'es une talent loser, t'écoutes pas. Moi, je trouve que le mec qui vient de rentrer, il a une arme qui me plaît bien. Depuis quand un nain a le droit de parler ? Il a une arme qui me plaît bien, donc je m'approche de lui, hein, pour voir s'il n'y a pas moyen de, hein, de d'un petit peu le délaisser de quelque chose qui me semble un petit peu trop lourd pour lui. Hein, m'intéresse pas ce qu'il a raconté, moi. Ça m'intéresse pas. Après, il est assez costaud, ouais, donc Oui, mais je te rappelle que je suis bourré, hein, je viens de me prendre un tonneau de bière, moi. Hein, du coup, moi, j'ai un problème avec les perceptions au niveau de la taille. Ça me, voilà, je me sens invincible, hein, donc voilà, moi, l'arme me plaît bien. Parce que pour l'instant, je sais que m'habite mon couteau. Hein, il paraît que le MJ m'a même pas donné d'arme, donc voilà. Comme j'ai pas du tout envie d'en payer une au marchand d'armes à côté, je me dirais que celle-ci, elle me pourrait être pas mal. Hein, pourrait être pas mal. En plus, je pense que c'est une dure en ville, en plus. Donc ça me paraît bien, quoi. Si je le vois bouger de sa chaise. Si je le vois bouger de sa chaise, je prends mon bâton et je le mets juste devant lui pour faire comprendre que c'est pas une bonne idée. Oh, tu fais chier, Bagbo. Moi, je surveille les deux gardes quand même, on sait jamais. Faut pas tirer attention inutilement. Ok. AMG, tu salues pas, quoi. Non. Ok. Michou, tu fais quoi? Alors, je regarde du coin de l'œil, je lui dis salutations, mais je me genouille pas. Et je garde les deux gardes. Je surveille les deux gardes, on sait jamais. Ah. Scorpio, tu fais quoi? Je laisse le magot discuter avec l'elfe. Je fais un simple mouvement de tête pour dire que bon, j'ai compris que c'était un noble, mais que je n'irai pas plus loin. Que je suis étoutouille à ce qu'il veut le dire. Vous êtes tous des. Mais je suis pas à genoux non plus, hein. J'ai juste un coup de tête. Ok. Et Momo, tu fais quoi? Alors moi, je m'approche de lui. T'as ta drogue? Je me lève et je me présente à lui comme le chef du groupe et je lui demande. En gros, donc je salue normalement et je lui demande ce qu'il nous veut. Je voudrais bien qu'on reparle si t'es le chef de groupe. Ça me paraît important quand même. Le nain boit. C'est pas le moment. Ouais. Je lui tends son verre, je lui tends son. Son tonneau. Je lui tends son tonneau, tiens, pourquoi. T'aimerais bien qu'on en parle quand même. Après. Tu peux bouger. Tiens, Momo, si tu peux bouger ton Ah, bah j'ai bougé un peu. Non, mais de sens. Ah, que je sais pas comment. Alors, personne ne s'est concerné. Je suppose. Non. C'est pas notre genre. J'ai une eau fragile, d'abord je suis déjà assez petit pendant ma journée. Donc on a le nain, il s'en bat les couilles, le paladin. Moi je bois pendant qu'il me parle à la garibe. Le paladin ne s'agenouille jamais devant les gens. À part devant les hauts dignitaires de son église. Ouais, ou une pute, je l'ai vu hier. Mais elle m'a dit qu'elle faisait partie de l'église. Ouais. Elle lui a dit que les voix du Seigneur étaient impénétrables. Il n'y a pas ses enfants. On va voir. Je te l'ai dit, je vais voir si je trouve de la lumière en toi. Ouais, voilà. Dans les coins sombres. Voilà. Qui poche des février. Bon. Pas la lumière. Hein. Personne ne se concerne, à ce que j'ai bien compris. Bon, voilà. Non. Bonjour messire, que vous nous voulez-vous? Que voulez-vous nous voulou? que vous ne voulez. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai même pire parler. Pourquoi tu me fais chier, petit con? Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Alors qui c'est qui a dit qui c'est qui a posé la question? Que voulez-vous? Momos. Baraka Frit. Baraka Frit. Baraka Frit, tu vas me faire un jet de social s'il te plaît. Ah, c'est con. C'est tant bien, c'est ce qu'on a. Attends, j'ai fait du gros score. Alors, et est-ce que j'ai d'autres choses qui peuvent Si t'avais des cheveux, ouais, mais Non. Tu me fais un jet de social pur s'il te plaît. Social pur. Merci. Décent encore, hein. Oui, c'est toujours indécent. Oh bon. Avec. C'est un autre arrêtez avec indécent parce que c'est insupportable. Ah bah c'est de ta faute, hein. C'est un indécent. C'est 200, tu. Voilà. 80 fois. D'accord. C'est 200 si tu préfères. Voilà. 200, t'as fait. 80 fois combien?
40 de base. Ah ouais, donc c'est la loose. C'est la grosse loose, ok. Donc vous voyez... Donc il a quand même fait un échec. Donc vous voyez mon monstre qui le regarde. Il est quand même beaucoup plus petit que celui qui vient de rentrer. Et on regarde, il fait « Oui, pourquoi ?» Et on dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux, toi, Mais c'est moi c'est... Donc du coup, vous avez... vous avez... Et le comte qui le regarde, qui fait... qui le regarde comme ça, de haut. Et il fait tu sais à qui tu t'adresses là? De haut comme ça. Vous faites quoi? Je m'approche de lui. Déjà. Ouais. Hop. En marchant bon. Tranquillement. je me présente. Je dis je me présente. Je m'appelle Balor de l'église. Et toi? Je m'appelle Balor l'Arnois Divin. Je suis paladin de l'église de la lumière. Nous sommes Non, je suis encore partie de l'église. Nous sommes ici pour repos et pour finir une humble quête, tout simplement. Que et vous moi, avez je rajoute, que... si vous pouviez éventuellement arrêter de nous les briser, ça pourrait être pas mal. Non, tais-toi. Que vous amène-t-il ici? Qu'est-ce que vous amène ici? Alors, on va commencer par un jet de social avec un malus de 10, s'il te plaît. Pourquoi un malus de 10 bien, tu fais foirer mon jet, je te saute dessus, je te coupe en deux. Tu vas me laisser tranquille, déjà, tu vas parler méchamment. Donc tu vas me faire un malus de... avec un malus de... Ta gueule, c'est magique, déjà. Social avec un malus de 10, ça va, donc c'est un jet sur 25. Attention. On part sur du jet de 25, là. 56. C'est raté, on s'en serait pas douté. Pourtant le social c'est mon truc hein. Attends, juste un truc, Momos, comme il y a dit Michou, tu peux quand tu cliques sur ton personnage, t'as un petit carré bleu derrière ton perso. Comme ça tu peux le faire pivoter. Donc, vous du cherchez, coup, vous mais... avez Voilà. Vous avez C'est mieux. Vous avez Rena Sidra qui fait ouais, alors si tu pouvais nous laisser tranquille, ça nous arrangerait, wesh. D'accord? Me cherche pas une oise, ok? Un nain qui c'est qui me dit ça? Ça gère. Ah, dis pas, wesh, un nain. Dis juste, il fait juste. Qui c'est qui me dit ça là? Qui c'est qui me dit ça? C'est toi qui dis ça. Non, c'est toi. Ah, d'accord. Je dis wesh moi. Qui dis ça au. Sans le wesh. Au compte. Arrête de monter. Alors, tu vas me faire ton jet social avec 20, s'il te plaît. Plus 20, un bonus de plus 20. Qui dis-moi? Bonus de plus. Alors. Oui. Tac. Alors, j'ai combien? J'ai 25. Je vais utiliser ma présence quand même. Vas-y. Donc ben, ça fait 5. Oui. Ça fait 35 plus 20, et tu m'as... 55. Voilà. Bon. Il est l'heure de faire un bon gel parce que sinon on est mort. 55 tout pile. Oh là, la chasse. 55 pile. Ouais. Du coup, il t'écoute et il fait pourquoi vous ne saluez, enfin vous prosternez pas quand un comte arrive. Simplement. Votre posture, nous avons bien compris que vous étiez un haut dignitaire sûrement, mais voyez-vous, nous sommes aventuriers, nous ne sommes pas des aventuriers d'ici, nous ne connaissons pas la région et comme toujours, nous ne savons pas qui vous êtes. Nous ne sommes pas un geôlier. Tout simplement parce que ce ne sont pas dans nos coutumes. Bon, et en plus, on s'en fout. Tais-toi, Léonard, tais-toi. Bois. Toi, tu vas prendre des malus dans la tronche. C'est ça, tu vas prendre que des malus. Il veut que ça. Non, mais en gros... Toi, tu vas te faire bouler, AMG. Bien. En gros, tiens, ce n'est pas dans nos coutumes. Écoutez, de nous amener à inconnu. Et puis, on s'en si fout. Si vous soit-il. Je vais vous donner un papier, une plume, et vous allez devoir, chacun de votre côté, me réciter, je sais plus comment il appelle ça, me réciter le... Jésus, c'est Libéry. Là, je te connais, c'est mon église. Me réciter le... Quand j'arrive, en fait. Tu sais où tu peux te la mettre, ta plume? Seigneur Duc, excusez-moi, mais nous ne sommes que des aventuriers. Nous ne faisons pas partie de ce royaume.
nous n'avons aucune attache à ce royaume, vous n'avez aucun droit sur nous. Avec tout le respect qui vous incombe, nous avons pas fait serment à cette patrie. Donc nous avons aucune obligation envers vous. Certes, mais vous voyez les voyageurs qui sont là, eux aussi se sont prosternés et ont récité la formule sacrée. Normal, c'est des faibles. Vous n'y couperez pas. C'est pas parce que vous êtes des voyageurs que vous nous y couperez. Sinon, que nous arrivera-t-il? Je prépare discrètement. Il te regarde avec un regard noir. Ouais, je fais un signe à. Je prépare discrètement mon capitaine pour qu'il puisse partir en couille. Il claque du doigt et fait garde, c'est traître. Je suis toujours en direction. Tous en valeur.